Là, on se trouve à la ferme du Soleil. Nous sommes à Orvault, en commune qui est limitrophe de Nantes. Je suis à 6 km du centre-ville. Je suis en train de cueillir des cardes pour la MAP de la Bugalière. On est en bio, on fonctionne à 90% en vente directe. On a 4 AMAP. Alors, la MAP, textuellement, c'est l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne. En gros, ce sont un groupe de consommateurs qui s'engagent à prendre un panier. Alors, nous, en ce qui nous concerne, des légumes, mais ça peut être d'autres produits agricoles. Sur une période, ça va de 6 mois à 1 an. Et ce sont des gens qui prépayent en fait la récolte hein, et qui cherchent en fait à avoir des produits qui ont du goût et qui sont sains. Un des grands principes de la MAP sont les légumes de saison. C'est d'arriver à montrer aux gens qu'il y a une saisonnalité. La tomate, ça se fait pas en hiver, ça se fait pas sous serre chauffée et pas avec un maximum de flotte pour que ça pèse le plus lourd possible à la fin. On fait des choses qui ont du goût et donc on fait des choses de saison. On fait une quinzaine de variétés de salades, on fait 20 variétés de courges, on fait 18 variétés de tomates. Il faut que les gens aient accès à d'autres goûts et d'autres formes, d'autres couleurs. Ils viennent aussi sur l'exploitation. Certains viennent en plus donner un coup de main de temps en temps sur ce qu'on appelle des ateliers pédagogiques, par exemple donner un coup de main pour ramasser les pommes de terre, pour vider un tunnel avec les tomates. Ça leur permet, eux, de mieux comprendre, de mieux appréhender notre métier. Voilà, là on va partir livrer à la MAP de la Bugalière qui se trouve à 6 km de l'exploitation. Je vais vous faire voir un peu comment ça se passe la distribution. Donc comme j'ai un panier moyen, je commence par déjà émarger en face de mon nom. Voilà, j'ai signé et puis je regarde panier moyen ce que j'ai. Donc là j'ai un kilo de pommes de terre qui est déjà préparé. J'ai droit à un chou-fleur, un pécan, donc je prends mon chou-fleur. Après, j'ai droit à 500 g de tomates, mon kilo d'épinards et une salade. Et voilà, j'ai fini sur mon panier à 13 euros. Moi, ce que je mettrai en avant, c'est vraiment la qualité des produits et leur coût.